la conférence ce soir est organisée par les Rencontres Mars et les Amis du Monde Diplomatique. Et notre intervenante est donc Sonia Dayan-Herzbrun, qui est expert ou spécialiste, ou je ne sais quel mot utiliser, sur l'orientalisme et Édouard Saïd. Le livre « L'orientalisme d'Édouard Saïd » est paru pour la première fois en 1978. Et il montre que la domination coloniale qui, à partir de la fin du XVIIIe siècle, va se propager vers le sud et vers le sud-est de l'Europe, n'est pas seulement un phénomène politique-économique, mais également culturel. C'est toute la notion de « j'apporte la civilisation à ces barbares, à ces indigènes, à ces ignorants, ainsi de suite ». C'est tout cet aspect-là qui est contenu dans ce terme, mais bien plus large. C'est la déclaration que ces gens-là ne sont pas capables de se gouverner eux-mêmes, qu'il faut les gouverner. Beaucoup. Robert, je connais tous les deux depuis très longtemps à divers titres et je suis extrêmement heureuse de me retrouver ici pour essayer de vous parler de l'orientalisme parce que l'orientalisme, c'est un livre extrêmement difficile. C'est un livre très dense, très riche, mais très érudit et je dois dire que moi je n'arrête pas de le lire et de le relire. Enfin, je fais quand même un peu autre chose aussi, mais chaque fois qu'on me demande d'en parler, je découvre des choses nouvelles. Donc ça ouvre des quantités de possibilités. Alors comme l'a dit Robert, sa première édition en anglais aux États-Unis date de 1978, donc c'est pas tout récent. Cette première édition a été suivie d'autres éditions dans lesquelles Édouard Saïd ajoutait soit des postfaces, soit des préfaces. La dernière préface date de 2003, c'est quelques mois avant sa mort, puisqu'il est mort il y a maintenant 20 ans, exactement 20 ans. Alors, ce qui est étonnant à propos de ce livre, c'est qu'à la fois, il est considéré comme un classique aux États-Unis, mais également dans un grand nombre de pays du monde, et en particulier dans ces pays qu'on dit être du sud global. Mais il est encore traité en France, surtout dans l'institution universitaire, comme un ouvrage marginal. Il est très attaqué, et surtout avec la campagne anti-woke. Alors, je suis régulièrement invitée à parler de l'orientalisme par des associations d'étudiants. Il m'arrive d'arriver dans des amphis, que ce soit la Sorbonne, à Lyon, bourré vraiment complètement, mais parce que leur prof ne leur en parle pas, c'est un livre qui est considéré en France encore comme une menace, ce qui est un petit peu ridicule. On reproche, parmi d'autres choses bien sûr, à Édouard Saïd, c'est qu'il est lui-même le récusait, mais qu'il est à l'origine d'une certaine manière de ce courant qu'on a appelé postcolonial. C'est un terme assez vague, hein, mais ce qu'on appelle postcolonial, c'est tout ce développement de la pensée qui voit dans la colonie, dans le moment de la colonisation, un axe, hein, quelque chose qui est absolument qui change totalement l'histoire du monde et qui en fait est lié à l'instauration de la modernité. Alors depuis, bien sûr, il y a eu des quantités de choses et j'ai cessé d'utiliser ce concept et je me situe plus du côté de ce qu'on appelle aujourd'hui le décolonial, mais ça c'est encore autre chose. Alors quand Saïd publie l'orientalisme, il a 43 ans, hein, et puisqu'il est né à Jérusalem en 1935, et à ce moment-là, il est professeur de littérature comparée à l'Université de Columbia, à New York. Et c'est très important de retenir cette idée qu'il est professeur de littérature comparée, parce qu'il est extrêmement solide et important dans sa discipline. Et c'est effectivement en tant aussi que professeur de littérature comparée qu'il développe toutes les idées que l'on trouve dans l'orientalisme. Il y a déjà de très nombreux travaux qui n'ont malheureusement pas été traduits en français. D'abord, sa thèse
sur Joseph Conrad, et Joseph Conrad l'accompagnera toute sa vie, enfin intellectuellement, la romancière et l'essayiste franco-libanaise Dominique Eldé disait de Joseph Conrad qu'il était le compagnon secret d'Edouard Saïd, parce que cet écrivain qui était né en Pologne, qui avait passé sa vie à être marin, qui écrivait en anglais, je veux dire, qui était dans cette espèce de circulation, on disait, j'aurais dit autrefois cosmopolite, aujourd'hui je dirais plus archipélique, pour reprendre le terme d'Edouard Glissant, finalement, Saïd se reconnaissait pas mal dans lui, hein, tout en ayant effectivement ce recul de voir que c'était quand même un Européen dans une position qui était une position coloniale, mais qui mettait aussi en évidence ce qu'était la colonie, en particulier à propos de l'Afrique, avec ce petit roman aux grandes nouvelles que tout le monde peut, j'espère, connaître, qui est au cœur des ténèbres, donc de Conrad. Alors, l'orientalisme, ce livre, est l'aboutissement d'un long travail de recherche que Saïd a entamé à partir de 1967. Quand il fait le bilan sur sa vie, Saïd dit qu'avant 1967, il est dans une période qu'il appelle pré-politique, c'est-à-dire qu'il fait semblant d'être un bon professeur d'université, de s'intégrer, de s'assimiler, mais en même temps, il dira à la fois dans les post-phases de l'orientalisme, et puis quand il racontera sa vie dans ses mémoires, qu'il sentait le racisme à son égard, mais il le mettait en quelque sorte entre parenthèses. Donc il mène cette brillante carrière universitaire aux États-Unis, en même temps il pratique la musique, hein, c'est un excellent pianiste, mais il est même musicologue, et il y a des textes de musicologie très importants, tous n'ont pas été traduits. 1967, pour lui, c'est un choc, parce que c'est la guerre des six jours, Jérusalem-Est est occupée, il ne peut plus se rendre dans la maison familiale, dans sa maison de naissance, même s'il a ensuite passé son enfance en Égypte, son adolescence en Égypte, au Caire. Et c'est un moment où il prend finalement conscience de ce qu'il est, c'est-à-dire cette espèce de masque blanc, pour parler comme Fanon, qui a été tellement important pour Saïd, tombe. Et il prend conscience du fait que finalement, pour les autres, il n'est qu'un oriental. Et là, je viens de parler de Fanon, et c'est très important, parce que c'est cette dimension du « je », de s'autoriser à dire « je », qui est évidente dans l'orientalisme, il le dit. Dans l'orientalisme, il se réfère à Gramsci, un texte dans les lettres de prison, je crois, explique qu'on ne peut vraiment penser qu'à partir de son expérience personnelle qu'il faut thématiser le « je ». Et puis ensuite, avant Saïd, il y a eu quelqu'un qui était, dont je viens déjà de citer le nom, qui est Franz Fanon, qui reviendra à plusieurs reprises tout au long de son œuvre. Et Fanon parle à la première personne dans son grand livre « Peau noire, masque blanc », il parle de lui, de sa place, de son vécu à lui. Et le travail de Saïd est très intéressant, parce que bien sûr il y a l'orientalisme, mais je vous invite à lire tout ce que vous pouvez lire, parce que moi j'ai l'image de la spirale, c'est-à-dire qu'il est tout le temps revenu sur les mêmes termes et en les approfondissant. C'est quelqu'un qui n'a cessé d'approfondir les mêmes thèmes tout au long de sa vie. Donc, il y a 1967, cette guerre des six jours, l'occupation de Jérusalem-Est, et puis Saïd entre en politique tout en continuant sa carrière universitaire extrêmement brillante, c'est-à-dire qu'il adhère à l'OLP, à l'Organisation de Libération de la Palestine, quand celle-ci se crée, et puis il entre au Conseil National Palestinien. Alors ensuite, il y aura une rupture, mais ça, c'est autre chose. Alors, l'orientalisme, ce livre, c'est pas une rupture, mais c'est un moment où tout d'un coup, il met en lien
tout son travail de théorie littéraire, tout son travail donc qui fait sur la littérature comparée, où il est essentiellement spécialiste de littérature anglaise et de littérature française, surtout du 19e siècle, mais aussi s'intéresse aussi à d'autres des théoriciens, des grands théoriciens de la littérature. Donc il met en lien tout son travail de théoricien de la littérature avec la politique. Et c'est ce croisement-là qui sera toujours maintenant présent dans son œuvre. Donc ce n'est pas une rupture. On considère que l'orientalisme est un livre isolé. Or, en fait, c'est la partie d'un triptyque, c'est-à-dire de trois livres qui vont se succéder. Donc il y a l'orientalisme qui est le livre le plus théorique, si vous voulez, le plus difficile, d'autant qu'il repose sur des concepts ensuite avec lesquels il a pris des distances, je ne sais pas si parmi vous il y a des petits diversitaires, mais en particulier Michel Foucault, avec qui il va se séparer pour diverses raisons. Mais donc il y a l'orientalisme. Ensuite, un an après, il y a la question de Palestine, qui a été traduite aussi en français. Et puis ensuite, il y a, en anglais, c'est Covering Islam, en 1981, c'est-à-dire, ça a été traduit par l'islam des médias. Moi, j'aime mieux, c'est de la couverture médiatique de l'islam dont il est question. Et l'orientalisme, c'est vraiment, c'est finalement cette expérience de dépossession de la Palestine hein, qui est centrale. La colonisation de la Palestine telle qu'elle se produit hein, à partir de la fin du 19e siècle et qu'il analyse, donc qu'il analyse dans le livre suivant, La question de Palestine, cette colonisation est en fait partie, incluse d'un processus beaucoup plus général, c'est-à-dire la colonisation de l'ensemble du Moyen-Orient, mais Moyen-Orient, Saïd l'entend au sens des États américains, de la diplomatie américaine, généralement de la diplomatie mondiale, c'est-à-dire incluant le Maghreb et ce qu'on appelle le Mashrek, c'est-à-dire l'Afrique du Nord et le Proche-Orient. Donc, cette colonisation est rendue possible par l'existence en Europe d'un corps de doctrine et de pratique qui font consensus, c'est-à-dire que tout le monde accepte et qui sont hégémoniques au sens de Gramsci, parce que elles s'imposent, elles dominent, elles s'imposent et tout le monde les accepte. Et là, je sais bien qu'on est dans un dessin, un centre à des rencontres Marx, mais il n'y a pas de rapport de classe. Je veux dire que depuis l'ouvrier jusqu'à l'aristocrate, tout le monde est d'accord et est d'accord là-dessus. Donc il y a un corps de doctrine qui entraîne des pratiques qui sont hégémoniques. Définir ça comme la manière dont ça, c'est nous sentons, nous Européens, hein, sentons, percevons, pensons de façon collective est partie du processus politique de colonisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une influence du politique sur le culturel ou de l'économique sur le culturel. Ce sont des dimensions, c'est toute la dimension par laquelle finalement on a justifié, énoncé, consenti, trouvé allant de soi ce qui était la colonisation de cette partie du monde. Et cet ensemble de représentations et de discours, Saïd reprend le terme de Michel Foucault de formation discursive, parce que c'est complexe, hein, ça englobe différentes, toutes sortes de modes d'élocution, hein, ça peut être les discours les plus savants comme la poésie, comme ce que racontent les politiques. L'orientalisme critique, c'est un nœud de savoir et de pouvoir, un nœud de savoir et de pouvoir qui crée l'oriental. Alors, le sous-titre, hein, l'Orient créé par l'Occident, c'est pas un sous-titre de Saïd. Hein. Dans l'édition anglaise, ça n'existe pas, c'est l'oriental qui est créé. Bien sûr, l'Occident, pour exister, a besoin
de se fabriquer un autre qui est l'Orient. Mais le sous-titre n'est pas les sous-titres de Saïd. Et si vous avez envie de lire l'orientalisme et si vous lisez l'anglais, lisez plutôt la version anglaise parce que la version française, elle est un petit peu caviardée. Il y a des euphémisations, il y a des petites censures. Il y a, voilà, ben oui, hélas, parce que il y a des choses que le public français. Là, j'ai apporté, moi je travaille sur la version anglaise, mais j'ai apporté une de mes versions françaises. Ce savoir qui donne le pouvoir, parce que ceux qui l'énoncent ont de l'autorité, ce savoir, il est énoncé à la fois par des écrivains, par des poètes, par des voyageurs qui racontent leur voyage en Orient, par donc des romanciers, des savants, des hommes politiques, tous racontent à peu près la même histoire c'est ce qui constitue une formation discursive, c'est une espèce d'ensemble cohérent. Il y a quelqu'un en France qui est professeur au Collège de France, il s'appelle Henri Laurence, qui me déteste. Il me salue. Pourtant, on se connaît depuis de très nombreuses années et on s'y retrouve encore à un colloque au Collège de France l'hiver dernier. Il ne me salue pas parce qu'il a une véritable haine contre Édouard Saïd parce qu'il n'a jamais compris qu'Édouard Saïd ne s'en prenait pas à ses savants quand il écrit l'orientalisme qui se disent orientalistes. C'est une formation discursive beaucoup plus général. En même temps, il a raison de le haïr parce que ce que, comme l'a dit Robert, une des expressions d'orientalisme et de tout ce qu'on appelle aujourd'hui la colonialité du discours et la colonialité du pouvoir, c'est que les colonisés ne sont pas légitimés à dire « je ». C'est-à-dire qu'ils sont toujours pensés, connus par les autres. Si vous avez entendu parler de Lévi-Strauss, je suis sûre que c'est absolument évident, c'est-à-dire que c'est lui qui a le savoir sur ce que sont les sociétés, ces sociétés dites sauvages. Mais les sociétés ne se pensent pas elles-mêmes et les gens ne se pensent pas eux-mêmes. Donc c'est typique là de ce que, depuis, avec les concepts qui ont été forgés cette fois-ci à partir de penseurs latino-américains, on appelle la colonialité du savoir. Donc, ces savants, y compris Marx, il en faisait partie, parce que Marx, il a plein d'aspects, enfin moi je me considère comme marxiste, mais marxiste, comme on disait, marxiste critique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre, il y a des choses sur lesquelles Marx, il s'est un peu trompé, quoi. Par exemple, ce fameux concept de despotisme oriental, qu'il a écrit à partir de l'Inde, à propos de l'Inde, etc. Donc, aujourd'hui, il y a encore une fois les experts prétendent avoir une espèce de super savoir, parce qu'à la différence quand même de gens qui étaient des érudits, qui certes étaient des orientalistes, mais étaient des érudits, ils n'ont même pas de distance critique par rapport à eux-mêmes. Alors, dans la méthode qu'utilise Saïd, il y a deux niveaux, si vous voulez. Saïd était en analyse, il faisait une psychanalyse, et la méthode analytique, il a écrit son dernier livre, c'est un livre magnifique qu'il a écrit sur Freud. Donc la psychanalyse joue un rôle très important, comme chez Fanon. Donc les psychanalystes, ils distinguent deux niveaux, ce qui est manifeste, c'est-à-dire ce qu'on dit, quand on dit à Fanon, un gamin dit à Fanon qui a peur de Fanon dans un métro, dans un train, qui dit à sa mère qu'il a peur du nègre. Ça, c'est du niveau du manifeste. Mais il y a aussi ce qui est latent, c'est-à-dire, comme on dit en psychanalyse, moi j'appelle ça l'impensé, c'est-à-dire que ce que fait Saïd, c'est de débusquer l'impensé, le latent, ce qui se cache, derrière une plaisanterie. Alors dans le racisme, les plaisanteries, comme dans le sexisme. Donc il y a la plaisanterie, la métaphore, l'image. Donc il va chercher ça, il va chercher des silences, il va chercher des non-dits. Je veux dire que la façon qu'on travaille dans une analyse, il a aussi transcrite, enfin, il s'en est servi dans l'analyse des textes. Donc c'est ça qui est
absolument passionnant. Et c'est, moi, ça, personnellement, ça m'a beaucoup marqué. Écoutez, je vous racontais ma vie un petit peu. L'autre soir, j'avais envie de relire de la poésie. J'adore, en principe, Apollinaire. Donc j'ai repris. J'avais envie de relire la chanson du mal-aimé. Tout d'un coup, dans Alcool, j'ai sursauté parce qu'à un moment, il parle d'une statue africaine, d'un fétiche. Il l'appelle fétiche déjà. Et il y a une expression, ce Christ inférieur. Donc immédiatement, voilà, l'inférieur. C'est, alors bon, moi évidemment, comme je suis saïdienne, voilà, jusqu'à la moelle, en plus j'ai fait une psychanalyse pour tout dire, moi aussi, donc ça me dit, c'est pas possible, c'est rien, dire, il était probablement pas du tout volontairement raciste, le pauvre Apollinaire, hein. Mais dire c'est malgré lui. Donc c'est présent parce que ça veut dire que de toute façon, les objets fabriqués par des Africains ou les croyances, les religions sont nécessairement inférieurs. Hein, une alliance de savoir et pouvoir parce que ceux qui émettent ces jugements ont autorité et c'est... Parce qu'ils ont cette autorité que ce type de domination, de hiérarchie, d'hégémonie peut s'exercer. Ils font autorité, voilà, vous parliez de Chateaubriand tout à l'heure, Victor Hugo, Victor Hugo, il écrit des choses abominables sur l'Afrique, mais Victor Hugo, enfin, ce sont des gens qui sont respectés, qui font autorité, donc, ce qui fait que peu à peu on se laisse on adhère à ce qui s'écrit, parce qu'en plus, on adhère d'autant plus que ça s'insinue dans des toutes petites remarques. Et c'est ainsi que s'est constitué un savoir, entre guillemets, sur l'Orient, qui a divisé le monde en deux, donc eux, les autres et nous. Hein, pour Saïd, il n'y a pas d'autres. Hein. L'altérité est construite, hein. on est tous des humains, on est tous des humains, on est tous des personnes différentes, on se rencontre. L'autre, comme on dit, n'existe pas. L'autre est construit. L'autre est construit comme autre. Alors, je vais quand même, vous lire un petit passage d'Ernest Renan, parce que ça vaut son pesant de moutarde. Voilà, j'ai oublié mes loupes, mais j'arrive à lire sans. Donc, en toute chose, on le voit, la race sémitique, hein. Ça c'est une invention de Renan qui est un philologue qui étudiait les langues sémitiques. Effectivement, il y a un groupe de langues, les plus connues sont l'arabe, l'hébreu, mais il y a l'araméen, etc., qui sont des langues dites sémitiques. Donc c'est une famille linguistique. Hein. En toute chose, on le voit, la race sémitique nous apparaît comme une race incomplète par sa simplicité même. Elle est, si j'ose le dire, à la famille indo-européenne, ce que la grisaille est à la peinture, ce que le plein chant est à la musique moderne. Elle manque de cette variété, de cette largeur, de cette surabondance de vie qui est la condition de la perfectibilité. Semblable à ces natures peu fécondes qui, après une gracieuse enfance, n'arrivent qu'à une médiocre virilité, les nations sémitiques ont eu leur complet épanouissement à leur premier âge et n'ont plus de rôle à leur âge mûr. Donc, ce colloque au Collège de France où Henri Laurence ne m'a pas salué, un de ses disciples a dit à la tribune que Renan était peut-être le plus grand penseur du 19e siècle. En fait, en les altérisant comme ça, en les désignant comme eux, ceux qu'on construit comme orientaux, sont, écrit Saïd, oblitérés comme êtres humains. C'est-à-dire qu'on cesse de les voir comme des êtres humains. Là, je veux dire, l'actualité terrible avec tous ces morts dans la Méditerranée, enfin, toutes ces choses terribles autour. Mais effectivement, je ne sais pas, moi, ce qui se passe actuellement au Soudan, enfin, toutes ces choses qui sont... Ça n'existe. Ce sont des... On ne les voit pas comme des êtres humains. Et non seulement on ne les voit pas comme des êtres humains, mais on les considère comme dépourvus de rationalité et encore une fois, incapables de se connaître eux-mêmes. Moi, je me souviens d'un échange avec un philosophe très connu,
à propos des filles qui mettent un hijab, qui se voilent, et c'était toujours... Alors je dis, mais... Enfin, parce que j'ai plein de copines comme ça, oui, c'est leur choix. Non, c'est pas leur choix. Puis elles disent que c'est leur choix, mais elles ne savent pas ce qu'elles disent. Donc je dirais, l'oriental ne sait pas. C'est quelqu'un qui a pignon sur rue. Hein, je voudrais juste dégager maintenant quelques thématiques, hein, parmi toutes les thématiques, parce que c'est, je dis ça, c'est une ligne absolument extraordinaire, ce livre, et je peux juste en extraire des petites choses qui, moi, me parlent aujourd'hui par rapport aux questions que je me pose et qui, politiquement, me semblent aujourd'hui, après l'invasion, la guerre contre l'Afghanistan, après la guerre, les deux guerres en Irak, etc., c'est d'une actualité terrible. C'est le premier thème, c'est que c'est l'Europe qui enseigne à l'Orient ce qu'est la liberté. Les Orientaux ne savent pas ce qu'est la liberté, et du coup ils ont besoin d'être conquis pour que le conquérant leur enseigne la liberté. Quand les États-Unis partent en guerre pour aller apporter la démocratie, c'est exactement ça. Non, Renan va ensuite modifier, il va à un certain moment de ses textes, ses écrits, il va distinguer, il va parmi les sémites, il va faire une distinction entre les musulmans et les juifs. Les juifs, ils sont quand même un peu moins abrutis. Mais alors, ensuite, on a inventé ce concept complètement imbécile de judéo-chrétien qui n'a aucun sens, mais qui a été inventé dans les années 1970, hein, parce que à des fins politiques. Mais de toute façon, il y a déjà une petite différence. Mais au 19e siècle, il n'y a strictement aucune différence. D'ailleurs, au moment de la conquête de l'Algérie, les juifs seront des indigènes. Et ensuite, on se rendra compte que pour diviser, pour mieux régner, il faut séparer les musulmans des juifs. Donc voilà, on les considérera comme un peu plus dignes de civilisation. Et Chateaubriand, là, à propos des orientaux et surtout à propos des musulmans, hein, parce que le summum de l'oriental, bien sûr, c'est le musulman. La liberté, qui sont vraiment le summum de ce que peuvent être les orientaux, la liberté, ils l'ignorent, les propriétés, ils n'en ont point, donc on va pouvoir leur piquer toutes leurs terres et tout, voilà. La force est leur dieu, donc ils ne connaissent que la force. Quand ils sont longtemps sans voir paraître ces conquérants, exécuteurs des hautes justices du ciel, ils ont l'air de soldats sans chef, de citoyens sans législateur et d'une famille sans père. Lord Cromer, qui sera le gouverneur de l'Égypte, hein, ne dira pas autre chose. Et bien plus tard, hein, un psychanalyste que Fanon a, et Césaire ont très très violemment critiqué, Octave Banoni, parlant des Malgaches, disait que les Malgaches, de toute façon, ils ont une psyché telle qu'ils ont besoin, ils ont besoin d'être colonisés. Hein. Ils ont besoin d'être colonisés, ils sont incapables de se gouverner eux-mêmes. Hein. Ça correspond à leurs besoins, hein, du fait des rapports qu'ils ont eus avec leur papa et leur maman. Donc, je caricature à peine, mais c'est assez consternant. Le premier thème qui justifie la conquête, mais une conquête sous prétexte d'apporter la liberté. Donc là, il y a vraiment quelque chose de paradoxal. Et on est aujourd'hui au cœur de ce paradoxe. On est en train de... Je veux dire, il y a tout le Moyen-Orient a été détruit. Hein, je veux dire, on est dans une... Ça, moi, je suis spécialiste de la région. Je veux dire, c'est un tragique absolu, hein. C'est un tragique absolu. Il n'y a pas que la Palestine, je veux dire l'Irak, la Syrie, enfin c'est terrible. Et on ne soutient là-bas que les despotes, à condition que les despotes aillent dans le sens de ce qu'on leur demande. Le deuxième grand thème, la grande thématique, c'est l'Orient est un lieu vide. Hein. Donc, alors les
c'est toute la thématique du voyage en Orient au début du 19e siècle. On part à la découverte de soi-même. Il n'y a rien. Ça se voit beaucoup. Alors, Saïd ne c'était pas un grand amateur de peinture, mais la peinture orientaliste montre très bien, c'est toujours le désert. Alors il y a quelques bédouins à peu près sans visage qui sont plantés là, mais même les bois des peintres que j'adore, comme Klee ou Mack, quand ils vont les fameux voyages en Tunisie, il n'y a pas de visage humain. C'est surtout, alors ça peut être des géométries, mais donc c'est un lieu vide qui n'existe que d'une part parce qu'il a été le théâtre d'événements qui se sont passés soit à la période biblique, soit dans l'Égypte des pharaons, c'est-à-dire entre Jésus-Christ et aujourd'hui, il n'y a rien, c'est tout le discours autour de la Palestine. Il n'y a pas d'histoire. Mais ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé au temps de Ramsès II, ou bien au temps du roi Salomon, mais entre le temps, rien. Là vient cette fameuse formule qui a été utilisée pour la première fois par un révérend écossais, cette formule qui a fait Flores, c'est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Lamartine parle des peuples d'Orient comme de nations sans territoire. Donc, finalement, l'Orient est réduit à... Voilà, bon, je vais vous lire quand même le texte de Lamartine. Petit-fils qui vit à Aix-les-Bains, et j'étais avec ma petite fille, on devait le voir, et j'ai pu réciter le lac, parce que je suis d'une génération, on apprenait la poésie par cœur, donc j'aime beaucoup la poésie de Lamartine. Il va jusqu'au point où l'Orient, et ce qu'il vient de visiter, est réduit, écrit-il, à des nations sans territoire, sans patrie, sans droit, sans loi, sans sécurité, et pour qui ont besoin d'abri, de cet abri que nous pourrait bien sûr leur fournir, ajoute Saïd, que l'occupation européenne. Cette notion d'un vide, c'est vrai pour toutes les expéditions coloniales. Les Européens sont supposés avoir découvert l'Amérique. On parle de forêt vierge, etc. Donc c'est toujours cette idée du vide dans lequel tout d'un coup on fait exister l'humanité à partir du moment où l'Europe débarque et tue un certain nombre de gens. Alors le troisième point qui est aussi très important au regard de l'actualité, c'est la sensualité et la sexualisation. C'est le fait que les Orientaux sont ramener toujours à leur sexualité, que la sexualité est considérée comme quelque chose de central. Alors, il y a toute cette correspondance de Flaubert, que cite beaucoup Saïd. Flaubert avait laissé en France sa maîtresse Louise Collet, et puis il était parti avec un copain, et puis il fraquentait les bordels, et puis les filles et garçons, parce que je veux dire, Flaubert, il ne sait pas, voilà, il était des deux côtés, mais il écrit, alors après il raconte, il écrit à Louise Collet, de façon pour la rassurer, tu n'as pas à t'en faire, de toute façon, ce n'est pas te tromper, il écrit, la femme orientale est une machine. Donc la femme, voilà. La dernière partie de l'orientalisme est consacrée à la phase récente de l'orientalisme. Il montre que cette sexualisation est fortement accentuée dans la phase la plus récente de l'orientalisme, mais de toute façon, la pénétration coloniale est toujours représentée, associée à un viol, mais un viol qui est joyeux, un viol où la personne violée, généralement la femme violée, jouit d'être violée. Hein. Donc ce sont des métaphores. Il y a toute une littérature au 19e siècle où c'est présent. Enfin, c'est un thème extrêmement, extrêmement récurrent. Et cette sexualisation de l'Orient, mais aussi des colonisés, ça y la pointe aussi alors, au 20e siècle, bien sûr, dans le cinéma et à la télévision, où l'arabe apparaît sous la forme d'un dégénéré, hypersexué, violeur, mais en même temps passif. Donc le discours là est bien sûr contradictoire.
contradictoire, mais l'essentiel, c'est que l'arabe est réduit à son corps, et au corps des hommes, corps violent et violeur, et les corps des femmes sont des corps complètement passifs. Les femmes sont désignées comme passives, donc quand on a passé une partie de sa vie dans ces pays, je veux dire que c'est... En fait, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Un orientaliste du XXe siècle, il reste en réalité aux Arabes, quand tout est dit, une pulsion sexuelle indifférenciée. Oui, indifférenciée parce qu'il y a eu toute une mythologie autour des Arabes, de toute façon qui pensaient qu'à baiser, excusez-moi, mais de n'importe comment, n'importe quoi, n'importe comment. Moi, quand j'étais enfant, la grande plaisanterie, c'était les chèvres. Hein, je ne sais pas. Bon, voilà, je sais pas si vous avez entendu ça. Voilà. Il y a un puissant appétit sexuel caractéristique de ces méridionaux sans chaud. Mais ça, c'est quelque chose qui est récurrent et dont on vit les conséquences. Aujourd'hui. Donc ils sont hypersexués, mais en même temps, tout en étant agressifs, très agressifs sur le plan sexuel, en tout cas les hommes, ils ne respectent que le pouvoir et la réussite, et donc ils ne connaissent que la force, et ça c'est justement s'agissant de la Palestine, c'est un extrait d'une lettre que Chaim Weizmann, donc qui a été le premier président d'Israël, a envoyé à Arthur Balfour, le fameux Lord Balfour, qui avait cette fameuse déclaration. Les Arabes qui, superficiellement, écrivait Weizmann, sont intelligents et d'esprit vif, respectent une chose et une seule, le pouvoir et la réussite. Les autorités britanniques, connaissant comme elles le font la nature traîtresse des Arabes, parce qu'elles ont cette idée de fourberie, doivent être constamment sur leur garde. Plus le régime anglais cherche à être juste, plus l'arabe devient arrogant. Les conditions actuelles tendraient nécessairement vers la création d'une Palestine arabe. S'il y avait un peuple arabe en Palestine, elles ne donneront pas ce résultat parce que le Fella a au moins 4 siècles de retard et que l'Effendi, c'est le grand bourgeois, le propriétaire, est malhonnête, sans éducation, avide et aussi peu patriote qu'il est peu efficace. Donc voilà, c'est des... La Chaim Weizmann, il a fait la totale. Là. Il a fait la totale. Il est passé pour un progressiste. Oui, oui, oui. Ben, il était de gauche. Il était de gauche. De gauche israélien. Donc, du coup, bien sûr, l'entreprise coloniale se trouve complètement justifiée. J'en reviens à Lamartine. Hein. Sauf d'un siècle à l'autre, mais tous ces discours sont contemporains de ces événements politiques qui sont tous les assauts contre l'Empire ottoman et toute cette volonté de détruire l'Empire ottoman. Donc on a parfaitement réussi. Dans le cas de la chute de cet empire, soit par une révolution à Constantinople, soit par un démembrement successif, les puissances européennes prendront chacune à titre de protectorat la partie de l'Empire qui lui sera assignée par les stipulations du Congrès, que ces protectorats définis et limités quant au territoire, selon les voisinages, la sûreté des frontières, l'analogie des religions, des mœurs et d'intérêts, ne consacreront que la suzeraineté des puissances. Donc, c'est dans son voyage en Orient. Donc il raconte son voyage en Orient, on a l'impression que c'est des souvenirs de voyage. En fait, c'est un programme politique de démembrement. Et c'est un programme qui a été réalisé. Donc tous ces stéréotypes orientalistes revêtent aujourd'hui des formes différentes, hein, mais comme on le voit bien, elles sont toujours vivaces. Alors dans les essais qu'il rédigera plus tard, hein, qui seront réunis en particulier, mais dans d'autres livres aussi, Culture et impérialisme, mais il y a aussi les réflexions sur l'exil, c'est très beau, Saïd a montré comment ces mêmes logiques étaient à l'œuvre sur d'autres terres colonisées. Donc il a montré à propos de la Caraïbe, par exemple,
en lisant justement comme ça le sous-texte, si je puis dire, d'une romancière pourtant qu'il aimait énormément et qui est bien connue grâce à la télévision, Jane Austen, ou bien l'Inde de Kipling. Kipling, moi, c'est un auteur absolument merveilleux, mais justement, il montre tout ce qu'il y a chez Kipling. Hein, voilà. Donc, il a étendu à d'autres continents, à d'autres terrains, sa méthode de lecture. Alors, c'est une méthode autocritique des écrivains européens. C'est plutôt donner, ou très très peu donner la parole au ce qui viendra plus tard, c'est-à-dire aux écrivains des autres pays. Mais en même temps, plus il avancera, plus il vieillira, plus il se référera à la pensée de Fanon. Et puis il établit aussi des liens très importants avec un courant d'historiens indiens qu'on appelle le courant des subaltern studies, des études subalternes, qui sont aussi influencées par Gramsci, et qui eux font l'histoire de l'Inde, mais cette fois-ci du point de vue des Indiens et pas du point de vue de la colonisation britannique. Donc, il a toujours tenu à préciser, parce qu'on lui faisait le reproche d'attaquer les grandes figures de la littérature mondiale, il a toujours tenu à préciser que sa lecture, ses grandes œuvres de culture, mettaient en lumière ce que j'appelle leur impensée coloniale, mais n'enlevaient en rien à leur qualité littéraire. Cela étant, effectivement, ça pose quand même des problèmes, hein, parce que ce sont des problèmes maintenant qu'on soulève, on les a soulevés, enfin moi je suis féministe par ailleurs, on les a soulevés en tant que féministe, on peut dire... Bon, qu'en est-il de la bibliothèque coloniale? Qu'en est-il des musées? Je collabore à un journal en ligne qui est excellent, que je vous invite à lire, qui est un journal de critique littéraire qui est d'accès libre, qui s'appelle Un intendant Nadeau. Et là, le prochain article, voilà, c'est à propos. Je parle d'un livre écrit par Ariel Aïcha Azoulay et qui met en question les musées. Hein, qu'est-ce qui se passe? C'est aussi un livre de Françoise Vergès. Très récemment, je veux dire, ça pose question. Aujourd'hui, évidemment, l'orientalisme est un livre, ça. Pour les non-français, dans les autres pays du monde, c'est un archi-classique, il y a eu des dizaines de bouquins écrits à partir de là, ces anciens étudiants enseignent dans plein d'universités. Il n'y a qu'en France qu'il y a cette espèce de résistance. Ce qu'on fait, moi je n'ai pas de réponse. Est-ce qu'on ferme tous les livres? Non, certainement pas. Mais c'est vrai qu'on se dit que quand on se sent offusqué, je veux dire insulté quelquefois par des choses qu'on lit, qu'écrivent certains auteurs, classiques, même moins classiques, qu'est-ce qu'on en fait? Puis quand on voit les tableaux dans les musées, oui, voilà. Donc tout ça, ce sont de vraies questions et je pense que. Ça, il y a un débat, moi je n'ai pas de réponse là-dessus, mais j'y réfléchis beaucoup. Alors, dans l'esprit de Saïd, et ça c'est là-dessus qui conclut à la fin de sa vie, l'orientalisme, lui, il voulait que ce soit un livre profondément humaniste, hein, parce qu'il croyait en l'humanité, en un humanisme, mais un humanisme critique et autocritique. Hein. C'est-à-dire que ce n'était pas un manifeste politique, mais c'était un appel à la lucidité et à une prise de conscience, au moins pouvant éclairer l'action. Donc voilà, moi c'est... C'est comme ça que je le lis, et c'est avec toutes les questions qui se posent à partir de sa lecture, et que tous ceux qui sont venus après, bien sûr, ont développé, approfondi, et sont des questions, je crois, vraiment extrêmement actuelles. Ouais. Pour moi, c'est mon maître, hein, c'est mon maître à penser, c'est ma référence permanente. Dans l'islam des médias, il parle, et ça c'est vraiment très très actuel, des experts, c'est-à-dire tout ce que racontent les experts autoproclamés autour de l'islam et qui nourrissent l'islamophobie. Parce que déjà dans l'orientalisme, on a tous les éléments d'une critique de l'islamophobie à travers les ouvrages savants et à travers les textes littéraires ou les déclarations ou les écrits des politiques, mais dans l'islam des médias, il décortique les déclarations de ce qu'on appelle les experts, et aujourd'hui on est vraiment des experts autoproclamés, et pas tellement experts, si on, bref, ne manque pas.
J'ai écrit un texte qui a été publié dans un volume collectif autour de l'islam, du spectre de l'islam. Dans le manifeste communiste, Marx parle du communisme comme un spectre qui plane sur l'Europe, et Saïd, dans justement l'islam des médias, reprend cette expression, le spectre de l'islam. Il a consacré un bouquin à ça. Mais déjà, il y a tous les éléments dans l'orientalisme, et même le terme d'islamophobie. Enfin, il dit que c'est à la fois la peur et la haine, il en parle, la peur et la haine du musulman, il en parle beaucoup. Ben, c'est parce que la gauche est aussi islamophobe. Cette hégémonie, elle est présente. La gauche a colonisé, la gauche a consenti à la colonisation. Pas toute la gauche. Pas toute la gauche, mais une bonne partie. Mais même, je suis désolée, même Fanon, par exemple, il y avait toute une partie du... Le Parti communiste n'a pas soutenu le FLN. Les gens qui ont vraiment soutenu la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, je suis désolée, c'était soit des individus autour de Curiel, soit des chrétiens de gauche pour des raisons morales. Mais officiellement, enfin, je pourrais raconter plein d'histoires, parce que ça, c'est mon histoire à moi. Mais donc, parce que là, c'est l'hégémonie au sens gramscien. Les gens sont effectivement... Moi, ça fascine de mes étudiantes qui, en ce moment, qui est une fille voilée, mais qui enlève son... extrêmement brillante, une des meilleures étudiantes que j'ai eues, dont je dirige le master, et qui gagne sa vie comme surveillante dans un lycée. Elle me raconte le comportement des enseignants vis-à-vis des élèves musulmans et des élèves, des femmes, des filles. C'est abominable. Elle en pleurait, elle est venue me voir l'autre jour. Et donc je suis bien d'accord. Là, il y a une vraie question. Je participe à un séminaire là-dessus la semaine prochaine. On essaie de réfléchir. Il donne de quoi comprendre. Enfin, il donne de quoi le voir. Mais on ne le voit pas nécessairement. C'est-à-dire, effectivement, mais il ne parle pas du tout de la laïcité. Le thème de la laïcité, il est arrivé en France tout à fait à la fin des années 1980. Il est arrivé avec la fameuse affaire de Creil, 1989, et ça a émergé peu à peu, parce qu'avant, il y a le thème de la laïcité, c'est autour du combat pour l'école. Hein. Mais on a tous les éléments. L'idée, il n'était pas musulman. En même temps, il montrait l'importance et la richesse de toutes les philosophies musulmanes, de toute la partie critique et rationnelle et rationaliste qu'il y a eu parmi les philosophes musulmans. Socialement chrétien, mais il se déclarait agnostique ou athée. Hein. Par un autre auteur qui est très peu, très mal traduit en France et qui est un vieux monsieur que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Talal Assad, et qui est la dimension du christianisme et du catholicisme. Moi je pense que l'Occident est vraiment, enfin, ça c'est ma théorie, est vraiment, enfin, c'est plus, pour moi c'est bien au-delà du capitalisme, et l'héritier du catholicisme qui se veut absolument universel. Son père était Mohamed Assad. Le nom de son père était Léopold Weiss. C'était un journaliste juif, autrichien, qui à un moment de sa vie s'est converti à l'islam. Il a fondé le Pakistan, qui a aussi été un des théoriciens de l'islam réformiste, à la fois réformiste et démocrate. Jean Bobéro, qui est un ami, en parlant de la laïcité, il parle de catholaïcité. Voilà. Et je crois qu'il y a cette espèce de fondement, alors à propos d'un pensée qui est vraiment le catholicisme, c'est-à-dire la volonté d'être le seul possesseur de pouvoir, de savoir pour le monde entier. Et je crois que pour moi, c'est une des racines de l'islamophobie. Hein. Pour moi, c'est vraiment très ancien et très fondateur. Voilà, mais je vous remercie beaucoup pour votre attention. Sacha, nous avons passé par le milieu. Cette notion d'orientalisme, elle vise à définir, à dire qu'il y a un ciment idéologique qui va de pair, en l'occurrence pour cette question d'antiquité, qui va de pair avec tout le phénomène colonial. Il ne peut pas y avoir un phénomène colonial s'il n'y a pas en même temps une forme de déshumanisation
du colonisé. Je dirais même plus de sa disparition. Un peuple sans terre pour une terre sans peuple. Il disparaît carrément. Il n'est même pas déshumanisé, il n'est plus là. Et on retrouve, comme le disait Sonia, beaucoup de choses qui correspondent à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. C'est un ciment qui est nécessaire. Il ne peut pas y avoir dans les pays colonisateurs un colonialisme sans ce ciment idéologique. C'est impossible. Il prépare le terrain et il le consolide. Le droit à la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État par un autre État. Ce simple principe évident de souveraineté est refusé. Nous avons inventé le droit à l'ingérence en France avec notre ami Bernard Kouchner et son sac de riz. Sur l'islamophobie, vous savez que tous les ans, il y a cette fameuse journée de Jérusalem et qui est soutenue par la mairie de Montpellier. À cette occasion, tous les ans, on a un article le même dans cette plaquette. C'est « Les nazis qui nous entourent mangent du couscous et parlent arabe ». Et il soutient, de la fausse soutien ça. On a beau lui dire que c'est une déclaration raciste, il s'en fout complètement. Parce qu'il y a une affinité idéologique, culturelle. Ils se sentent très proches des Israéliens. C'est ce que j'appelle moi le bloc occidental.